Question suivante de Jean-Thomas Baudouin. Pensez-vous avoir les 577 candidats dans toutes les circonscriptions pour les législatives? Alors, je n'en ai pas la certitude. On n'aura peut-être pas 577 dans toutes les circonscriptions, mais je pense qu'on en aura des centaines. Oui. On a lancé un processus de collecte de bonne volonté. Actuellement, nous avons donc, si ça vous intéresse, si les gens qui m'écoutent sont intéressés, d'abord la première chose, c'est d'être adhérent de l'UPR. Voilà. Sauf exception dûment justifiée. Nous prendrons comme candidat et comme suppléant des adhérents de l'UPR. Voilà. C'est le Bureau national qui attribuera les investitures. On va d'ailleurs publier très prochainement une première liste de candidats investis officiellement par l'UPR. Donc, ce que je sais, c'est qu'on a déjà plusieurs centaines de candidats. Alors, la difficulté, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est qu'il faut avoir non seulement des candidats et des suppléants, mais aussi avoir des candidates. C'est-à-dire des femmes. Or, comme d'habitude, statistiquement, les femmes sont un petit peu plus réticentes que les hommes à prendre des responsabilités et à vouloir être candidat. Je m'adresse donc à tous et à toutes, et un petit peu plus peut-être aux femmes qui m'écoutent. Manifestez-vous, allez voir, si vous êtes adhérent, soit vous nous écrivez sur notre site internet à contact UPR, soit vous allez voir notre délégué départemental. Que vous connaissez, vous allez à une table ronde organisée, puis vous dites, ben voilà, je suis candidat, je suis candidate. C'est pas pour autant que vous le serez instantanément. On prendra votre curriculum vitae, on vous demandera votre casier judiciaire, puisque nous avons pour principe que tous les candidats de l'UPR devront avoir un casier judiciaire vierge. On examinera aussi vos motivations. J'en profite pour dire que vous pourrez éventuellement être candidat ailleurs que dans la circonscription dans laquelle vous habitez, puisque c'est parfaitement autorisé. Il n'y a pas de contraintes géographiques. J'en profite pour dire d'ailleurs aux femmes en particulier, qui parfois pourraient être un petit peu réticentes, que si nécessaire, on pourra éventuellement les nommer dans une circonscription nettement plus loin où elles auront quasiment rien à faire. La solution que je privilégie, mais puisque la question m'était posée de savoir si on aura des candidats dans les 577 circonscriptions, on essaiera en effet de le faire. Toutes celles et tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on vous donnera les précisions, on vous expliquera aussi à ce à quoi vous vous engagez et ce à quoi vous ne vous engagez pas. Et faites-moi confiance, ceux d'entre vous qui. On fera en sorte qu'il n'y ait quasiment aucun frais pour nos candidates et nos candidats, avec une prestation minimale que fournira l'Union populaire républicaine, hein, c'est-à-dire les bulletins de vote, les affiches, les professions de foi. On essaiera de faire ça, que le coût soit minime. Rien n'empêchera des candidats qui ont un petit peu plus d'argent personnel, par exemple, de renchérir et de participer plus activement à leur propre campagne. Enfin, on essaiera de faire ça. Contactez-nous, on vous donnera tout ça. J'espère vraiment qu'on va avoir des candidats un petit peu partout. Et puis, bien entendu, la clé, c'est évidemment que je puisse être candidat à l'élection présidentielle. Parce que si je suis candidat à l'élection présidentielle, ça va donner un dynamisme, un élan à notre mouvement qui peut nous emmener très, très, très haut. Et dont bénéficieront évidemment les candidates et les candidats qui seront là. N'hésitez pas trop quand même, hein. Il y a des événements historiques qui sont en train de se produire. Ne manquez pas le train de l'UPR.